Merci Nabino Banso, Jambo Yenu, bonjour à tous ceux-là qui sont maintenant habitués à ce numéro d'enquête. Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de l'AS Vita Club. Vous le savez très bien que le président de l'AS Vita Club de Kinshasa a déposé sa lettre de démission au sein du conseil de sages de ce club. Et il ne reste que au conseil de sages de pouvoir entériner la décision de ce président. Mais quel est le bilan que nous pouvons faire pour ce président qui vient de déposer sa démission? Général Amissidi Tangofor, il a fait 12 ans à la tête de ce club de la capitale avec deux finales de interclubs de la CAF. Une finale en 2014 en Ligue de champions africaine, une autre finale en 2018 en Coupe de la Confédération. Je crois 3 titres de la Ligue nationale de football. Un bon parcours quand même, c'est 2 prouesses pour ce président. Mais nous nous posons des questions. Certes, c'est un bon bilan pour ce président, mais nous constatons que l'équipe est laissée, ou le président de l'AS Vita Club a laissé l'équipe dans la rue. Pourquoi ce 12 ans à la tête, il n'a pas préparé sa succession? Vraiment, c'est une matière à réflexion. Ça nous amène quand même à réfléchir. Qu'est-ce qu'il a laissé au sein de cette équipe de l'AS Vita Club? Oui, le joueur pour combien de ans? Le joueur pour combien des ans? Le joueur pour une année, pour 2 ans? C'est bien. Qu'est-ce qu'il a laissé encore? Le centre de Kimbondo. Parce que dans le communiqué du Conseil des Sages, on nous a dit qu'il a laissé le joueur et aussi le centre de Kimbondo. C'est une très bonne chose. Mais quels sont les chiffres qu'il a laissés au sein de cette équipe? Parce que quand même, l'AS Vita Club a joué plusieurs quarts de finale. Je vous informe ici, une équipe qui est engagée aux interclubs de la CAF, à chaque fois quand vous jouez le quart de finale, la demi-finale, voire même la finale, il y a quand même de montants que la CAF alloue au club. Quel est le montant que le président général Amissidi Tangofor a laissé à ce club? C'est deux questions que nous nous posons. Et ce club peut se retrouver ou peut encore avoir le niveau de l'époque où le général Amissidi Tangofor était président? C'est des questions que nous nous posons. Maintenant, vous qui insultez le président général Amissidi Tangofor, vous qui disiez que le général devait partir, vous êtes où? L'AS Vita Club a besoin de vous. Là, je suis en train de voir le groupe, entre guillemets, le groupe de rebelles, le Sauvons V Club Boza Wapi. Parce que Vita Club est un apôtre sanabino. Il y avait un temps où vous avez décrié, vous êtes passé, naba média et belé bolobi, vous avez un président. Mieux que le général Amissidi Tangofor. Ça signifie quoi? Un président qui peut amener l'AS Vita Club à avoir un trophée de la Ligue de champions africaine. Pourquoi pas un trophée de la Coupe de la Confédération? Nous avons besoin de ces gens-là. Sauvons V Club. Cette fois-ci, l'AS Vita Club doit être souple. Ne donnez pas la tête de ce club à n'importe qui. À deux personnes qui veulent chercher de la popularité, j'y arrive. Pour l'AS Vita Club, pour le moment, vous devez jauger les projets qu'on va vous amener. Un président, lorsqu'il arrive au sein d'un club, on doit savoir d'abord son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de ce président. Deuxièmement, quel est son projet sportif qu'il amène au sein du club? Parce que on doit avoir un président qui a un bon projet, un projet attrayant, un projet clair et net. C'est lui qui peut amener le supporter à pouvoir contribuer à l'évolution et à l'émergence de ce club. Nous ne voulons pas de présidents qui peuvent encore laisser ce club comme l'a fait le général Amissidi Tangofor. Prenez l'exemple du tout-puissant Mazembe, leur président,
leur président en exil, mais le club est resté toujours au summum de l'Afrique. En 2015, avec une coupe de la Ligue des Champions africaine, 2016, coupe de la Confédération, ainsi que 2017. Ces deux présidents que nous voulons dans nos clubs en République démocratique du Congo. Merci Nabino Nyonso Bolanda Kibiso. Merci Nabino Nyonso. Bientôt, un autre numéro pour le Football Club Renaissance du Congo. Équipe Wane Koufi ou bien Ezakaka. C'est toujours dans ces numéros. Merci Nabino. Merci.